Est-ce qu'un chrétien qui a joué bolette? Il faut connaître que ça, c'est suite là. Parce que nous avons fait une première vidéo déjà. Nous avons parlé sur ça déjà. Est-ce qu'un chrétien qui a joué bolette? Mais nous n'avons pas fini la vidéo. Hein? Et nous avons garanti, nous avons dit que nous avons l'autre vidéo à faire sur ça pour finir avec la vidéo. Hein? Donc, c'est la raison ça qui fait que nous portons la deuxième vidéo ça pour nous demander est-ce qu'un chrétien qui a joué bolette? Jean nous a dit dans la vidéo que nous avons fait avant, côté que nous avons trois questions que nous allons répondre. Est-ce qu'un chrétien est capable de recevoir un cadeau de un monde qui gagne dans la bolette? C'est la raison ça même qui fait que nous faisons la vidéo. Ça. Première question, pas me répondre. Ma foi, on est que recevoir un cadeau pas engager responsabilité du monde qui bat au cadeau ça. Mais dans la mesure que vous connaissez l'origine du cadeau, il faut que vous l'origine. De vous connaissez l'origine du cadeau, ça. Et vous ne pas nous, ok? Par exemple, je ne vais pas recevoir comme cadeau dans le monde qui connaît qui casse une entreprise, il vole plusieurs laptops et puis il vient de côté et il me dit que il fait un cadeau un laptop. Pendant que je connais que le laptop, ça, c'est volé, c'est volé. Kounia, en ce qui concerne yon cadeau, yon moun ki gen nan loto, yon moun ki gen nan bolet, et ben mwen, mais même personnellement, mwen wè sa nan deux cas. Deux cas sa kou balwe la yo. Premier cas, moun ki ban cadeau a, li pa yon chrétien, si yon non croyant ke li. Kembe sa ou, kembe sa la toujou, pa bliye, moun ki ban cadeau a, li pa yon chrétien. Je respecte la liberté que je gagne pour participer dans le jeu bolette li. OK? Et déjà le bon chrétien, il gagne choix, il gagne libre arbitre pour li jouer petit bolette li gens le. Mais ses amis, ben vrai. Ba discuter de ba n'en parler ensemble avec lui bon mon cadeau, ba n'en discuter. Côté cadeau ça je dis, côté je ne compte pas acheter cadeau ça. Et puis moi accepter cadeau ça. Kembe, kete là, comprendre bien. Deuxième cas. On dit que moun ki ban cadeau a c'est un chrétien. Chrétien ça pour une raison ou bien l'autre, je bolette la ban cadeau a et puis comme pas d'accord que je bolette là, li pas un chrétien pour la je bolette. Moi pas accepter cadeau a. Li ban cadeau a me dit non merci, moi refuse cadeau a parce que me connais que c'est bolette qui a joué qui fait le ban cadeau, pas oublier tout son chrétien. Ba konnen sou comprendre. Jusqu'à présent, vous êtes bien. Si vous ne comprenez pas, vous retournez encore dans le sens de comparaison que vous faites et vous arrivez à comprendre. Deuxième question, c'est travailler dans une entreprise côté que je bolette. Okay? On dit que je suis sous profession, par exemple, j'aime des exemples là. Moi, je suis un informaticien et puis je suis sous profession. Ah, ça m'a fait. M'a dit que question ça li difficile pour répondre d'une manière catégorique. Question ça gagne plus et yon bagay qui est là-dedans, c'est une question de conscience. Question ça, c'est une question de conscience que lié, c'est conscience ou qui pral permettre ou ouais qui ça pour faire dans situation ça. Entreprise qui joue bolette, on dit par exemple son informaticien. Et puis, dans la partie que je vais aller, c'est dans la profession que je vais travailler. Et un chrétien va aller jouer 12 bolettes. Ça m'a fait. Bon, dans la vie civile, la majorité d'entreprises, côté que mon app travaille, c'est, on dit que c'est des entreprises non chrétiennes. Est-ce que vous avez vu? C'est des entreprises non chrétiennes. Méthode que yo utilisé pour travail yo, c'est des méthodes non chrétiennes. Li clair parce que presque majorité entreprises qui n'a travail yo, c'est des entreprises moun qui a la tête yo pas chrétien et ça que n'a fait pas grand pour avec bagay l'église bagay chrétien la donne. Bon travail quand même, pas vrai? Finalement, ça me ka dit de ça, c'est que chacun doit rechercher sa propre conviction devant Dieu. Oui, c'est ça me dit. Chacun doit rechercher sa propre conviction devant Dieu. Comme ça me conclut
de ça parce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile pour répondre, man? Yo, ou pas chrétien, ou que ce chrétien, puis entreprise que va le travailler là, mon qui dans tête ou à va chrétien, travail que ça que va faire, a pas grand pour avec l'église et faut pour travail. Vous comprenez? Pas facile, non? Et troisième question que je me posais, est-ce que vous avez travaillé en tant que partenaire, comme si une entreprise, et puis vous travaillez en tant que partenaire avec l'entreprise là, ou là que vous investissez dans l'entreprise là, et puis non seulement les gens doivent bailler là-dedans, et puis les gens doivent être là-dedans tout. Et est-ce que comment est-ce que vous avez fait partenariat avec nous? Question ça encore, c'est en question de conscience. Question, ça, c'est une question de conscience. Si, en tant que chrétien, nous refusons catégoriquement pour nous participer dans le jeu bolette, mais en tant que joueur, nous devons néanmoins reconnaître que cette activité n'a rien de légal, humainement répréhensible. C'est clair? On dit, par exemple, ou c'est un graphiste, ou c'est un photographe, ou du moins son imprimeur, ou son chrétien, pas vrai? Est-ce que en tant que chrétien, on doit limiter seulement pour imprimer texte monde qui est chrétien? Est-ce que en tant que graphiste, ou limiter seulement pour faire carte de visite pour monde qui est chrétien? Ou seulement là pour faire carte comme si yon business ou du moins pour faire un flyers seulement moun ki kretien. Est-ce qu'on limite seulement pour faire ça pour moun ki kretien? Question ça, et vous regardez vidéo ça, répondez-moi dans le cœur, juste à conscience, répondez-moi. Là encore, nous devons utiliser bon sens. Si nous pas utiliser bon sens, nous n'a tombé non bagay ki le fanatisme. Et ça va bon. Faut que nous mette tête nous sous épaule nous. Gen de bagay, c'est va met tout l'église à la moun nan Dieu parce que avin nagé ça va ou et vous juste brel. Pendant que réalité a, gen de bagay faut que mette tête tout sous épaule pour bien comprendre. Et puis prier sur ça pour qu'on ait exactement ça pour faire. Parce que ce n'est pas facile. En tant que chrétien, il y a des bagages, il n'est pas facile. Et on n'a pas qu'à compter sur lui comme ça. Sinon, c'est hypocrisie qu'on va faire. Pour qu'on ait réalité. En conclusion, ça m'a dit sur ça. Est-ce que un chrétien qui a je bolette? Mais qui j'aime conclure. Bible là, il n'est pas condamné directement pour dire clairement que. Un chrétien pas de chevalet. Cependant, Bible a averti nous que qui danger qui gagne l'ogain l'amour pour l'argent. Les ou alder fait l'argent facile. Qui danger qui gagne dans ça, les ou prend l'argent comme met tout. Qui tout danger qui dans ça. C'est ça qui fait que moi voulais quitter verser ça pour nous. Avant que je finisse, 1 Timothée 6, verset 10. Et là, 1 Timothée 6, verset 10, Hébreux 13, verset 5. Lis tout ça, yo, la et deux pour bien.